Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH pour journée jeudi et pour qu'on y a nous pour présenter le grand titre. Nouveau bureau prend fonction dans le Sénat République là, il m'a dit 9 janvier. Bureau ça a gagné en tête comme président, sénateur Joseph Lambert, Pierre-François Sildor, vice-président, Dieu Piché Rubin, premier secrétaire, Akawilo Joseph, deuxième secrétaire, et puis au nom Dieu Louis Kesté. Dans chambre basse là, c'est député avec UNESCO et puis ambassade canadienne ministère éducation nationale avec formation professionnelle organisée mercredi 10 janvier, y a un atelier travail sous validation document politique national sous formation enseignant avec personnel encadrement. Travail à réhabilitation dans divers réseaux d'INEPA dans la région métropolitaine par au prince zone 2 à 3. Ça doit commencer avant longtemps. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, présenté grand ligne travail SAIO pour l'année 2018 là. Et puis environ 13 moun perdu la vie à plusieurs cailles, à Yé, Madia, dans Monte Cristo, tout près Los Angeles, dans Goulabou, Cap Coulé. Mettez avec nous, en TNH, Titsa, quand pile l'autre sujet. Pour le développer à soi, nos journal. Notre journal à la fois qu'on est président de la République, la Jovenel Moïse, fait qu'on est administration là, a continué pour un bon Jean Mézu pour mettre Haïti sous rail développement. Chef l'État Kouel, il est le temps pour Haïti définir priorité dans le cadre de coopération avec l'autre pays pendant annoncer un ensemble projet pour l'année 2018 là. Yon bout nan déclaration chef l'État nan moment l'État participé nan ouverture première session année législative là. Pour l'année 2018 là, il y a un pile chantier kap tann nou. En tant qu'à citer quelques là-dedans, gouvernement doit continuer à faire effort pour citoyens rejoindre document d'identité au plus facile. N'a pas parlé des archives, carte d'identification nationale, passeport, licence et l'atelier. Comité qui travaille sur la reconstruction du palais national doit dégager comme Jean-Jacques pour le travail a commencé pendant l'année 2018. Là. Pose première pierre, parlement fait déjà. Construction, parlement supposé déraper tout bon vrai dans l'année 2018. Là. Travail comité initiative sur reconstruction Port-au-Prince là, doit déboucher sur une commission présidentielle qui travaille sur un système assurance santé pour tout le monde, pour permettre l'État de rendre un système de soins santé accessible à tout citoyen. Pour pays qui a produit plus manger, ensemble avec caravane changement, nous commençons le travail pour un système de financement dans l'agriculture et l'agro-industrie. Nous commençons le travail sur une façon pour l'État central, collectivité, ensemble avec le secteur privé, pour aller mettre ensemble pour moderniser le système de formation professionnelle dans tout le pays. Dans le programme de réforme éducation, non seulement nous travaillons pour construire plus l'école, mais nous commençons à réfléchir sur la façon pour améliorer l'éducation après l'école secondaire avec un système qui pour préparer géniaux après baccalauréat. N'a préparé jeunesse pour qu'a fait choix entre université et l'école professionnelle. Sans nous pas oublier Timoun Pitio. Timoun qui pour qu'on 6 ans. Parce que Jean yon un gros psychologue, pédagogue de Dil, tout se joue avant 6 ans. Il y a un gros pépinière qui est le 100e place, il y a 3 autres qui ont construit. Ça n'a ni plat à 90% fini. Grandance à Nord-Ouest, il y a un travail en pile, un travail à continuer fait pour avant longtemps. 300 salles ont inauguré. Et 6 lotes sont genoux inaugurés, il y en a déjà, pour 6 lotes dérapés dans l'année 2018. Parce que, faut ne pas oublier, promesse de campagne, ça,
faut que les gens l'école, dans le curriculum de l'école, là, pour matière qui est le reboisement, pour que les gens l'école obligés de planter pied bois dans tout le pays. Et puis, une fois qu'on a un nouveau bureau prend fonction dans le Sénat République, là, il m'a dit 9 janvier, là, bureau tout neuf sag et non tête liseur Joseph Lambert. Esaïe lui sac Wilbich Moïse a présenté un compte rendu. Joseph Lambert, président, Pierre-François Sildor, vice-président, Dieu Piché Rubin, premier secrétaire, Willy Joseph, deuxième secrétaire, et Onondier Louis, qui était ces cinq sénateurs qui forment un nouveau bureau Grand Coa. Bureau tout neuf ça, gain mission pour mener Bac Sénat pendant une année. Faciliter l'Assemblée. Devant vous, l'engagement de justifier à travers chacun de mes actes la confiance que vous avez placée en moi. Cette confiance qui, désormais, fait de moi le deuxième personnage de la République. Je suis conscient de la particularité qui caractérise ma nouvelle charge, telle que la constitution en vigueur fait du pouvoir législatif le co-dépositaire de la souveraineté nationale. Sénateur Lambert plus loin dit conscience ou exigence à quantité de travail, tâche à amender. Les féliciter et puis demander collaboration collègues Lio pour faire Sénat avancer. Je présiderai donc l'Assemblée nationale en gardant toujours à l'esprit la plupart précis, mon pays a le grand besoin d'un souffle nouveau. Il y a tant à faire et le relèvement urgent passera nécessairement par le remembrement de nos institutions. J'assumerai parce que j'ai appris à cultiver le sens du devoir. C'est pour deuxième fois, Joseph Lambert arrivé dans tête Sénat République qui passait yon l'année n'importe ça. Et député Garibodo, c'est nouveau président chambre député A, représentant circonscription d'Elma, élu comme président par acclamation dans le cadre d'une séance qui a déroulé à Soya. Garibodo, pas de gain candidat en face liste, c'est 106 députés qui a participé dans la séance. L'autre sujet, ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle organisée. Yon atelier travail sous validation documents politiques nationales sous formation enseignant avec personnel encadrement yo, mais mercredi 10 janvier. D'après le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Aginon Cadet, plus passer 150 000 enseignants dans le secteur éducatif là, public et privé, mérité formé dans l'idée pour améliorer qualité apprentissage là, qui ont plus bon système éducatif dans toute l'école en Haïti. Yon extrait ministre là, dans le micro d'Aline de Rival avec Hervé Pierre. Avec aide quelques partenaires techniques et financiers, notamment Coopération canadienne, UNESCO en Haïti, nous jouons une bourra de l'argent, côté nous faire un pile travail et finalement nous arriver à élaborer l'ANSAR, politique nationale formation enseignant avec personnel encadrement. Donc, quand il y a un plan fini, nous disons aujourd'hui, avec demain, pendant deux jours, nous avons fait gros débat, nous avons fait gros omblé, nous avons fait gros discussion. On a fait gros réflexion pour nous capables eh bien mettre en débat eh bien ça nous relève politique nationale formation enseignant avec personnel encadrement et en même temps plan de mise en œuvre document ça. Donc c'est peut-être ça aujourd'hui là avant nous valider politique nationale formation enseignant avec personnel encadrement pendant jeudi avec demain eh bien grand pile gros expert en éducation, en pile technicien ministère, en pile gros cadre qui travaille sérieusement pour être capable d'arriver valider politique nationale formation enseignant ça. Et une fois que politique nationale formation enseignant, ce que je dis, nous avons un système éducatif haïtien dans deux réseaux, réseau public tant qu'on a réseau privé, plus passer 150 000 enseignants qui méritaient recycler, qui méritaient former. Et formation nous-mêmes, nous disons nous allons faire à l'échelle nationale dans tout le pays, et pour l'école publique et pour l'école privée. Et formation ça, les papes campent en route, son formation basée, ça c'est pour formation continue sur toute la ligne. Et c'est seulement là pour nous vraiment, pour nous poser un bon pion, pour nous capables d'améliorer la qualité d'apprentissage là dans l'école de Haïti.
Et coordonnatrice générale programme national cantine scolaire, Fanès Laguerre, blessée, bilan divers travail à action, institution la dirigée a fait pendant année 2017 là. Yon bilan, coordonnatrice générale PNCS la croit qui satisfaisant par rapport à l'intervention yon fait dans différents écoles qui bénéficient programme non, avec direction yon te mette campé dans tout département pays a. Fanès Laguerre a annoncé quelques projets liés en perspective. Yon extrait le micro, Richardson Jourdan avec Micho Joseph. Nous te font évaluation de PNCS. Côté que le département PNCS pas exister. Nous disons son programme national, c'est pour le programme République de Port-au-Prince. Nous arrivons à mettre PNCS dans tous 10 départements. C'est vrai que nous n'avons pas de moyens, mais l'état de l'espace, nous disons si le personnel là existait. Il y a deux côtés, c'est un bec dans le dos. Nous disons non, c'est inacceptable. Nous demandons accompagnement, nous avons espace, nous mettons bureau SAO et seul département qui a un retard, qui c'est Nord-Ouest. Maintenant, chaque juin, un espace qui dit CPNCF avec un staff qui a desservi la population haïtienne. Nous avons des agents de suivi qui sont souterrains, qui ont contrôlé, qui ont régularisé et question et domaine cantine. Ça veut dire, même le PNCS pas bon manger, mais l'État autorise nous. L'État ben nous pouvoir pour que nous regardions l'autre institution yo, comment il a fait cantine. PNCS a les yeux fixés sur nous, les regards sur nous pour regarder comment si nous pas nous a mangé. Est-ce que vous mangez dans des conditions hygiéniques? Est-ce que vous mangez régulièrement? Est-ce que manger que on va faire c'est de manger que timoun yo ka manger? Nous dit que sur le plan institutionnel tout, nous offrir institution un manuel contrôle interne. Nous venons avec de l'autre et nous voter dans PNCS, c'est vrai que c'est de projet en cours, de projet de pilote. Nous venons avec sacré les jardins scolaires. Si nous dit Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Nous avons des produits qui sont en train de manger 4 bon an, 1 mois et demi dans 2 mois. Ça veut dire que dans 2 mois, l'on prend les légumes, il y a bon. Nous disons que nous accompagnons les gens pour les gens mettre ça au prêt à manger ou même pour continuer à planter, le mettre en valeur. Légumes, haricots, c'est le bagage qui est bon dans 2 mois, dans 3 mois au plus. Et puis, 6 moun perdu la vie dans le département nord-ouest après gros la pluie qui tombait sous le département selon responsable protection civile dans le nord-ouest. Responsable protection civile, yo annoncé pour accompagner famille victime. Yo. Marqué dit ça. 3 moun mouri dans glissement terrain dans ville Port-au-Prince ak 3 lot l'eau charrier dans commune la Tortue Jean Rabel ak BDN yon total 6 moun ki perdu la vie à cause gros la pluie qui t'est commencé tomber sous département nord-ouest là depuis mardi 2 janvier 2018 là qui t'a présenté bilan ça en parlait tout de 2 moun ki mouri dans choléra à cause mauvais temps qui t'est empêché par un victime yo t'est transporté dans l'hôpital agronome Reton José perdu en vie men yo jusqu'à date yo révélé non gagné 6 morts non gagné yon sous Jean Rabel gagné yon sous la yon sous BDN et 3 sous Port de Paix. Nous avons 12 blessés, c'est uniquement sous Port de Paix. 12 blessés, ça aussi lié encore avec glissement de terrain. Mais fond du tout comme événement secondaire, nous avons deux cas de mort, c'est choléra, troisième section, moustique, bassin bleu, ça sont événements secondaires qui lient avec événement parce que nous sommes capables de 25. À côté des pertes en vie humaine, dégâts matériels, yon tout en pile. Côté, il y a plus passé 80 cailles qui crasaient, autorités ont déjà recensé sans compter l'autre qui endommagé. En termes de maisons détruites, nous gagnons environ 80 phénomènes dans le cadre de dimanche. Tout y est, la pitié prévoit, pas capable de déployer pour évaluation. Mais nous commençons à gagner des chiffres qui ont gagné dans ces 80. Mais hier après-midi, nous faisons un compte pour être capable
déployer équipe d'évaluation yo gen côté c'est kay ki inondé pour équipe ça yo déployer al faire et gen côté c'est maison dans l'en en bon yo donc ça son situation qui est encore plus complexe même parce que n'a privé gen une évaluation sur ça pour ça qui concerne inondation c'est toute ville pour les paix en général qui inondé ça qui la cause gen moun qui était obligé abandonner kayo à cause d'eau ak la bokap tay banda pourquoi li la gen une contingence génie militaire qui travaille dans tête collée ak direction départementale TPDCA pour wè nan ki mesure capable rivé déblayer ville port de paix et puis rendre accessible divers tronçons route dans département nord de cela qui endommagé pendant mauvais temps ça depuis c'était Capra la mort port de paix Mark Edi Osam antenne télévision d'état et puis quelques jours après quatre employés travaux publics t'es perdu l'ingénieur José Usnader avec une équipe TNH t'es présent dans l'espace côté drame ça t'est passé à c'était occasion pour ingénieur José Usnader lancer un appel by population pour pas jeter fatras dans tout égo qui représentait en dynamico Richardson Jordan les débuts qui sorti dans Léonard qui ont lorsqu'ils ont dit bon Mivana puis rencontré là et puis au boucher donc regarder là où elle chargé fatras et puis on a débouché lui et puis là débouché là et puis de l'eau a pété et puis force de l'eau entre force de l'eau en beauté yo et puis te gen 6 qui en bas qui était dans ligne là et puis gen 2 qui ont en sauvé et puis 4 perdu la vie yo. Mais comment comprendre ça passé hein? Bon ça te passé hein, c'est résultat mauvais comportement population hein. C'est qui par ignorance ou par méchanceté cap jeté fatra dans ligne canal yo dans tout canal yo et pas oublier et gien canal à ciel ouvert c'est canal ce qui en dehors de centre-ville là et gien canal et ouvrage souterrain parce que canal à ciel ouvert là pas qu'à traverser ville là et mais on mettait fatra dans canal à ciel ouvert yo li passer en dedans bujo li vinn boucher ligne donc c'est à bradom pour non déboucher et tout dépend des dimensions canal ça. Tout dépend des quantités d'eau qui est en amont. L'aile débouchée, le force doit qu'on parte avec eux. Puis qu'on parte avec eux, ils sont blessés, ils ont l'autre problème. Mais cette fois-ci, c'est un pile monde qui mourit. Donc, nous avons déployé cette situation. Nous avons profité de ce ça pour nous dire. Nous avons dit, nous avons mis les choses pour nous connaître chaque monde, connaître dans le canal pour vivre des fatras. Chaque fois qu'on vit dans le canal, c'est le risque d'accident qui augmente. Donc, c'est cette situation ça. Pour tout le monde qui était dans l'espace urbain, pour qu'on comment pour servir à l'environnement ça. Et ministre des Travaux publics, là, ingénieur Fritz Kayo, directeur général, là, ingénieur Vilma, et réuni hier pour nous, d'abord, pour nous, et coûts, ça a coûté nos propriétairement, et puis comment on est capable d'accompagner les parents ça, pour ces monde qui ont gagné, qui pour aller à l'école et autres. Nous, ça aussi, emploi et travaux publics, oui. C'est employé 116, yo employé. Et employé, c'est gen la dedans qui gagne la dedans 10 ans, 5 ans, 8 ans depuis après travail et en dedans et système là. C'est moment pour nous observer pause commerciale. Arrêtez avec nous n'a tourner dans un petit moment. Actualité à poursuivre. Merci pour fidélité et attention. Directeur général, direction nationale de l'eau potable et assainissement, Guito Edouard, présenté grand ligne, travail réhabilitation dans divers réseaux d'INEPA dans la région métropolitaine Port-au-Prince, zone 2 à 3 pour l'année 2018 là. D'après Guito Edouard, travail SAIO a pas réalisé dans l'idée pour permettre à la population zone SAIO bénéficier plus de l'eau potable et puis améliorer la qualité de service d'INEPA. Reportage Saint-Croix-Paqui à Clore d'Arly Jean-Jacques. Objectif d'INEPA pour la région à 330 000 m3 d'eau potable pour alimenter réseau métropolitain Port-au-Prince 2 à 3, réhabiliter source d'approvisionnement. Construire l'autre station et puis porter amélioration dans la station pompage Mayanian. Pour travailler ça, il faut réaliser Banque Interaméricaine de Développement BID fait un don financement 20 millions de dollars américains. Programme Port-au-Prince 2 qui vient gagner l'autre objectif qui est beaucoup plus renforcé, c'est-à-dire l'augmentation de la production. Et là, on parle de l'augmentation de la production, c'est construction de nouvelles infrastructures, amélioration des stations de pompage existantes, accompagnement
ça n'est capable de l'assistance technique opérationnelle là, qui est capable de faire que DINEPA, à travers le réseau CTMPP, fournit mon bon de l'eau potable. Avec BIT, programme Port-au-Prince 2 à Kenbazin, plus FLI, à partir de mi-2018, eh bien, joint au financement d'environ 20 millions de dollars au niveau de la Bible. J'aime dire loin, c'est augmentation de la capacité de Pompagio, plus particulièrement station de Mariani, qui va passer de 8 000 mètres cubes par jour à 24 000 mètres cubes par jour. Directeur général DINEPA, Guito Edouard, expliquait que le gouvernement a continué à accompagner DINEPA pour arriver à faire travail infrastructure SAIO en façon pour renforcer la capacité institution. L'État a accompagné au repas, tout au repas, j'ai dit 4 au repas qui viennent au niveau du territoire national, au repas ouest, au repas sud, au repas centre avec au repas nord. Infrastructure hydraulique, tuyaux avec accessoires hydrauliques, mais tout bio matériel engin lourd pour réaliser des travaux en régie. C'est ça que fait, sous initiative président Jovenel Moïse, moi annoncé nous gain 508 millions de gouttes qui ont été nous pour l'année fiscale qui s'est passée. L'ensemble de marchés ont été lancés pour nous jouer tuyaux, pour nous jouer matériel et engin lourd pour dire n'est pas capable de réaliser des travaux en régie. Travail forage, réparation réseau, côté assistance technique opérationnelle dans la station Pompagio a duré 24 mois. D'après le directeur Konen, mission PAL, c'est permettre DINEPA pour des améliorations dans la qualité de service qui a fourni la population. Et nous, l'idée pour garder l'évolution dans le domaine formation académique sous affaire construction dans le PIA, 8 l'année après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, une équipe télévision nationale rencontrée mercredi 10 janvier à Edgar Etienne, une membre conseil direction faculté sciences dans l'université l'État. D'après responsable là, il y a un changement qui peut être dans le programme formation FDS là. Ensuite, compte rendu Woodley Noël à l'Or d'Arly Jean-Jacques. À côté nouveau coup, direction faculté sciences facilite quelques étudiants faire spécialité yo dans l'université à l'étranger. Il y a une façon pour renforcer le programme formation FDS. Après 12 janvier 2010, nous venons renforcer plusieurs cours. Notamment, nous gagnons 2 étudiants par année qui allaient dans l'université de Sherbrooke avec le professeur Polt qui dans l'université de Sherbrooke qui fait des formations, qui prennent des maîtrises en construction et géotechnique. Et nous avons plus de l'homme qui passe tout. Il y a 2 étudiants qui sont aux États-Unis qui font sismologie. Il y a un qui est en France. Il y a plusieurs étudiants qui sont en Belgique. Nous avons même des doctorants. Nous avons même 2 docteurs et 2 personnes qui ont fait doctorat en Belgique. Ce qui a changé, c'est qu'à partir de là, il y a un professeur Polt avec une équipe qui est un professeur de Sherbrooke qui entre chaque année. Il fait un cours dynamique des structures. Dynamique des structures, c'est pour tremblement de terre. Là. Concernant la construction, après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, la Faculté des sciences offre service de consultation à travers une unité géotechnique par institution en particulier. Service de la communauté, c'est-à-dire que si on a fait un bâtiment actuellement et que le besoin de service a un coût assez abordable, depuis, l'IGN doit contacter la Faculté des sciences. La Faculté des sciences est présente à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un laboratoire national qui bâille même service, bien entendu, la Faculté des sciences. En général, qui travaille dans le laboratoire national. Nous avons des autres entités qui font appel à étudiants et faculté des sciences, c'est-à-dire, par exemple, si on fait route, il y a une étude géotechnique qui fait. Donc, là, on fait une étude géotechnique là, étant donné que nous avons une formation en géotechnique, et nous avons des étudiants qui partent à l'autre bois, qui ont renforcé les connaissances, là, ça, étudiants, ça a servi encore pour l'entité ça. Professeur Edgar Etienne a annoncé lancement officiel reconstruction bâtiment FDS là pour 12 janvier qu'a venir là. Pour Kounia, faculté a fonctionné dans une partie dans local institution Saint-Louis de Gonzague.
Et puis, 8 l'année après tremblement de terre, il y a un pile avancé qui fait dans question information et connaissance sur Sismicité PIA. D'après l'ingénieur Claude Prepti, géologue l'a invité responsable pour prendre une série de mesures pour faire respecter les recommandations qui fait dans le micro-zonage. L'été matin, dans l'émission Mise au point, on suit un extrait. Bon, le constat, c'est que, effectivement, nous avons confirmation que nous vivons dans un pays côté que le risque sismique est élevé, le pays a traversé par des failles actives. Donc, nous avons pile secousse que nous avons enregistré régulièrement. Donc, là, il y a un pas qui fait au niveau de la. Il y a pile formation qui baille tout pour la construction parasismique, pour les ingénieurs. Il y a pile ingénieurs qui formés, qu'on y a. Il y a pile contre-maître, il y a pile boss-maçon qui formés. Nous ne sommes pas capables de dire que nous généraliser dans l'ensemble du pays, mais il y a une masse de monde qui forme. Maintenant, le côté que nous n'avons pas avancé du tout, c'est au niveau des mesures. Parce que si vous voulez vraiment réduire la vulnérabilité population et la vulnérabilité infrastructure, c'est prendre des mesures pour que les recommandations qui viennent rapporter la culture viennent des lois, des règlements qui sont opposables aux tiers. Et si vous ne suivez pas le règlement, ça, vous avez des sanctions capables de prendre pour vous. Sanctions pour ingénieurs. Sanctions pour contre-maître qui a construit sans plan, sanctions si vous ne respectez pas les règlements et autres. Donc, si pas une sanction. Sanctions pour génie municipal là, tout. Pour génie municipal là. L'autorisation de votre pays. L'important, lorsque vous avez une catastrophe, vous avez tombé, il faut qu'on enquête pour déterminer les causes là. Est-ce que le problème là, c'est au niveau du sol? Est-ce que c'est au niveau ingénieur? Est-ce que c'est au niveau construction? Est-ce que c'est au niveau matériaux? Est-ce que c'est au niveau de bosse là? Donc, il faut que vous dégagez qui côté que responsabilité a sorti. Et une fois que l'enquête là dit qui est responsable, qui fait que le cas a tombé, pour qu'il y ait tant de monde qui mourit parce que le cas a été mal fait, il y a une responsabilité quelque part. Si c'est ingénieur qui était fautif, qui était mal fait plan, qui était mal fait calcul, il y a des sanctions pour qu'il applique contre lui-même. Il faut être capable de retirer la licence. Pour ne pas faire une deuxième carrière encore, pour tuer le monde. Ce n'est pas des tombeaux pour le construire. Donc, c'est une enquête pour qu'ils mènent, pour qu'ils dégagent les responsabilités. Et une fois que les responsabilités sont partagées, ils mettent au côté pour eux. Et puis, la fois qu'on a une conférence pour la presse, il y a une série leader dans l'opposition démocratique populaire qui est prévue organiser mercredi 10 janvier. Par arrivé fait, à cause de discussion, tu es éclaté dans le mi-temps. Tu fais déplacement, tu es exprimé mes contentements. On suit un extrait. Conférence pour la presse, acte politique dans l'opposition, te prévoit fait jeudi à Patrivé Fête, malgré présence quelques leaders dans l'opposition. En pile militant, organisation populaire dans l'opposition qui te présent expliqué ces problèmes en tant que la cause de discussion qui éclatait en divers militants politiques dans l'occasion. Jeudi à! Ce conférence n'a échoué. Je dis là, c'est pas ça nous attendre, mais c'est parce que grand pile nos dirigeants nous pas comprendre comment mais abgoumé. C'est d'avoir un pile militant, nous même dans quel ghetto assemblée. Nous sentis ça fait nous mal, mais tout faut de yo ouais, il fait nous mal parce que bah j'aime prendre en responsabilité correcte. Chaque coup c'est Moïse ou cap pour bagaille ou c'est non, pas unifié au point, je pas unifié. Nous obligés à faire discussion entre nous et que nous connaissons, nous n'avons pas qui est plus appétit. Je dis qu'il y a toujours une discussion. Nous pas quitter la conférence là, bail pour qui ça nous dit conférence de presse. Depuis la bail, c'est non, opposition haïtienne. Non, nous demandons aux dirigeants pour qu'ils contactent toute partie qui est dans le secteur démocratique là pour ne pas gagner des batailles. Des batailles différentes qu'a fait dans l'opposition. Première sortie unitaire initiateur autorisée à travers l'activité SAP pour l'année 2018, là, pas privé possible. Et puis, 8 l'année après le drame 12 janvier 2010, là, d'après le psychologue Willio Francillon, PIFO haïtien arrivé fait des yo. D'après le psychologue, là, le drame ça causé un pile changement car haïtien qui d'après lui-même, qui après ça a perdu sensibilité pour apprécier. Psychologue Lan qui tape intervenu dans l'émission Mise au point fait qu'on est Joukounia Gemoun qui besoin d'accompagnement. En suivant. Et moi, après 12 janvier, qui dit pas même là. Soit il dit, il n'y a pas de la vie. Comme je dis tout à l'heure,
ça le dépenser de la vie pas ça. OK. Mais gè moun tout parce que tout suite après 2 janvier, il y a trois catégories moun en Haïti. Te gen ça relo, yon moun ki développe ça non hyper vigilance. Si bagala pa passe encore, m'a fait tout ça pour connaître moi pour sauver. Moun ta tout il pas monter son en de béton. Il peut passer bon au bois au milieu la rue, tout va veiller et n'a peut pas dans la barre passer tout de suite. Et puis gè moun tout qui vient reviviscence. Qui toujours combien mois après que tu as toujours tremblé, tu as toujours tremblé et pour la catégorie monde qui vit ça le logo isolement ça veut dire que monde vient refond repli sur soi net et puis pas intégré socialement encore dans rien dans la société. Ça veut dire tout trois catégories monde ça. On va dire journée aujourd'hui des bon monde fin vivre un événement traumatisant comme ça ou pas jamais même monde encore. Faut faire équilibre, non pas jamais même monde encore. C'est journée aujourd'hui ou une bonne société que Jean Wel là peut-être qu'il va compléter avec un niveau, j'aime te dire, intolérance, un environnement très, très fragile. En 2018, déjà 8 ans, je dis encore, et nous plus ou moins en forme, nous regardons la réalité, nous réflexes, nous comme psychologues, nous sentons que santé mentale haïti, haïtien est correct, je dis, 8 années après. Non. Oui et non. Pour qui ça? Parce que oui et non, 8 années après, et question de santé mentale, c'est plus loin toujours. Puis loin dans le sens que, et même au niveau ministère de la Santé publique, j'ai entendu la dernière fois dans conférence d'affaires, budget santé publique, il y a accordé seulement 1% dans la santé mentale. Et au bon population, je me dis là, chaque jour, on fait face à l'événement. Qui est très, très, très traumatisant. Très traumatisant dans le sens que, faut que tu aies structure qui est beaucoup plus large, beaucoup plus élargie, qui prend le monde, qui accompagne le monde. Comme si il est toujours traité jusqu'à présent par rapport. Malgré qu'il est plus populaire, plus le monde puisse connaître ça, les santé mentale, c'est comme ça. Mais au fond, pas de structure vraiment qui bien qu'il a, qui pour prendre une grande majorité vraiment qu'il a. Et deuxièmement, niveau santé mentale ici encore, et là jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que. Ou vin haïtien qui guide chaleur, émotion. Moi c'est ça? Moi c'est ça. Émotion qui est émotion par exemple. Par rapport avec ou vin haïtien qui vient moins apprécier des choses. Parce que qui ça nous besoin de venir vous dire, c'est accompagnement, c'est son bagage qui est supposé macro. Disciple apprend Marie Lacaille, c'est sous thème sa paroisse Notre-Dame, Altagrâce à Paris. Pour réaliser Nivenli Anissa, sorti 12 pour y vivre 21 janvier qu'à Vinila. Créé paroisse l'église Altagrâce la, Père Francky Désir dit, l'attend toute fidèle catholique Joussa dans l'idée pour venir prier grand-mère là. Yo externe micro, Richardson Jordan. Nous venons la fête en trois temps, trois fois par jour. Matin, midi et après-midi. Matin à 5h30, nous avons gagné dans l'église la récitation du rosaire, la prière. Nous avons gagné la messe à 6h. Ensuite, nous avons gagné la prière de la neuvaine. À midi, nous avons gagné la prière, nous avons gagné la messe avec neuvaine à Notre-Dame d'Altagrâce. Et dans l'après-midi, à 3h, nous avons gagné le chapelet. Divine Miséricorde, n'a bien une récitation du rosaire, n'a bien une louange, et à 5h, n'a bien une la messe avec prière de la neuvaine. Étant donné que neuvaine a commencé le 12, et 12 janvier, c'est une date que nous-mêmes tremblement de terre dévastateur qui t'est frappé pays nous, qui t'est mis de l'eau dans les yeux nous, qui t'est tué en pile frais action nous, en pile famille nous. Et nous voulons marquer date ça. C'est peut-être ça toute célébration nous, le 12 janvier, a fait en mémoire des victimes du séisme du 12 janvier 2010. Donc,
À 6 heures, nous avons une messe en mémoire. À midi, nous avons gagné la messe en mémoire. À 5 heures, nous avons gagné la messe en mémoire avec le flambeau. Le 21 janvier, c'est la grande solennité de Notre-Dame d'Altagrâce. Nous avons gagné plusieurs messes à 6 heures, à 9 heures, à midi. Dans l'après-midi, à 2 heures, nous avons gagné une grande procession. Procession ça a sorti Saint-Martin-Saint-Yves, Delma 5. Nous avons plongé route de Delma pour nous venir clôturer. La pause commerciale dans le journal. Arrêtez avec nous pour notre information. Nous poursuivons avec information. Merci pour fidélité et attention. Notre objectif pour parler sur le travail organisation Elim Hands Haiti fait 8 l'année après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Une équipe télévision nationale d'Haïti rencontrée mercredi 10 janvier à quelques responsables dans l'organisation SILA. Reportage Rodney d'Orléans à Kervi Pierre. Huit l'année après catastrophe naturelle qui t'a frappé Haïti, Healing Hands Haïti victime yo. Prothèses, orthèses, c'est quelques matériels centre réhabilitation ça a fabriqué dans propre laboratoire li pour distribuer bay moun qui subit handicap pendant tremblement de terre 12 janvier. Donc après le 12 janvier, donc le centre ça a été inauguré et puis victime yo qui t'a déjà commencé prend soin dans Healing Hands for Haiti, le nouveau pour le nouveau centre ça et continuer venir recevoir soin et jusqu'ici OK après 8 ans après tremblement de terre là des personnes qui étaient amputées parce que là le nous font prothèse nous font orthèse pour on victime et c'est pas que nous on est fait nous voyons la calle avec parce que ça il mérite des suivis certaines fois si c'est un petit monde si on a apprenti donc faut et toutes les victimes ont toujours continué à fréquenter son tour. Six l'année après l'événement, l'organisation a appliqué une nouvelle technique dans le laboratoire pour construire matériel qui a facilité handicapé au fonctionner sans ne pas sentir trop cicatrices psychologiques qui ont été cassées. Responsable, dans l'occasion, te permet l'équipe télévision l'État visiter l'espace. Franzo Pierre, c'est un technicien. Nous avons un laboratoire 3D. 3D, c'est réalisation prothèse en trois dimensions. Donc, dimension X, Y et Z. Donc, si nous gagnons un volume, et comment nous faisons? Nous gagnons vraiment machine ça. Machine ça, c'est yo qui vraiment imprimer prothèse. Yo. Pour nous faire, nous avons deux façons que nous faisons. Premièrement, nous sommes capables de jouer un patient d'abord. Nous faisons mesure. Et puis, avec mesure, là, nous scannons. Nous avons un scanner qui est derrière nous. Nous scannons ça et puis ensuite nous travaillons sur machine à partir du logiciel et puis ensuite nous transportons à travers un 4 SD sous imprimant. Deuxième façon, le fait que ces technologies cap développées, nous faisons plus simple. Nous utilisons un scanner, nous mettons juste chita, nous prenons photo, main blanc, partie qui est amputée, et puis ensuite nous prenons photo, ça qui est en trois dimensions. Nous travaillons avec un logiciel, soit mesh mixer, cura, etc. Parce qu'on utilise plusieurs. Et puis, 4 SD. Les gens ont vraiment un panneau de contrôle que je peux utiliser pour moi faire le choix de fichier que je mettais sous l'IA. Et une fois que je sélectionne, voilà, je clique sur imprimer. Donc, la machine, il commence le travail. Et puis ensuite, on va voir que le matériel a sorti de lui pour qu'elle banon prothèse ça qui c'est une prothèse 3D. Il y a plusieurs monde qui handicapé qui bail service en dans Healing Hands Haiti. C'est un signe d'après directeur exécutif organisation ça docteur Eddie Levesque qui montrait monde handicapé au gain place dans société a parce que yo c'est monde tant que tout monde. On a fait un petit coup de pied dans l'information internationale. Côté président américain Donald Trump a déclaré mardi 9 janvier 2018 là, il paraît pour joindre un compromis avec démocrates
en échange pour construction mise sous frontière mexicaine. En suivant. Dans le pays États-Unis, après manifestation qui déroulait contre expulsion 170 000 immigrés illégaux, qu'on y a place pour négociation. Le président américain Donald Trump déclarait qu'il paraît pour joindre un compromis avec les démocrates en échange constriction mise sous frontière mexicaine. Il y a un changement lorsque un juge San Francisco fait bloquer en décision Donald Trump qui a empêché plusieurs milliers de clandestins qui étaient aux États-Unis continuer à étudier ou soit travailler. Toujours mardi 9 janvier, le président américain a été proposé un compromis qu'il a été demandé pour que les gens régulariser la situation. Et puis, la boucle a coulé la cause environ 13 personnes ont perdu la vie dans Monte Cristo, qui est situé tout près de Los Angeles. Mardi 9 janvier 2018, la boucle a la cause tout plusieurs cas allés dans le sud de Californie. Pompier Santa Barbara, dans le cadre d'une opération secours dans Monte Cristo, yo joine plusieurs corps dans la boue dans nord-ouest Los Angeles. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons un bout de journal pour aujourd'hui et on va nous aller nous rappeler au pic au point. Nouveau bureau prend fonction dans le Sénat République là, mardi 9 janvier. Bureau ça gagne en tête li comme président sénateur Joseph Lambert, Pierre-François Sildor, vice-président, Dieupi Chérubin, premier secrétaire, avec Willow Joseph, deuxième secrétaire, et puis au nom de Louise Kester. Dans chambre basse là, c'est député Gary Bodo qui pral occupé poste président, li élu par acclamation jeudi, mercredi. Dans tête collée avec UNESCO et puis ambassade canadienne, ministère éducation nationale avec formation professionnelle organisée mercredi 10 janvier, yon atelier travail sur validation document politique national sous formation enseignante personnelle encadrement yo. Travail réhabilitation dans divers réseaux d'INEPA. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, présenté grand ligne travail sa yo pour l'année 2018 là. Et puis, environ 13 moun a perdu la vie à plusieurs cas à Yemadiana, Monte Cristo, tout près de Diana. Nous souhaitons passer une très bonne nuit à bientôt.